Yo les gens, j'ai vu qu'il y avait un match qui s'était lancé, donc casque sanglant, j'ai un peu de temps pendant ma pause déj, par contre je vais manger en même temps, alors on va pouvoir regarder ça. Hop là. Donc on a Kendren contre Vitouk. Donc Kendren qui avait affronté ODL lors de la première journée. Il joue mort-vivant et on a Vitouk qui est du coup dans la même division. Je sais plus, c'est bronze. Ah, je l'ai plus en tête là. Attendez, je regarde vite fait. C'est bronze, c'est sûr. Bronze 3. C'est bronze 3. Un peu. Un petit stream improvisé du coup. C'est vraiment parce que j'ai vu que ça se lançait. J'y allais. Why not? Pourquoi pas le streamer? C'est vrai que j'ai streamé pas mal de matchs de Belgium dernièrement, donc on va aussi streamer des matchs de casque sanglant. L'infra gobo n'est pas lancé non plus. Attendez parce que je gère 2-3 trucs en même temps. La caméra s'était décalée, désolé pour ça. D'ailleurs, je vais remettre la caméra automatique. Voilà. Hop là. Vitouk qui joue Skaven. Désolé, faut que je mange en même temps, pas trop le choix. Le blitz à la momie, on va faire parler les châtaignes, c'est parti. Et non, 4 sur l'armure, ça passe pas. Moins d'avoir châtaigne plus 4, non? Baston! Baston! Oh, ça serait tellement fort que j'attaque plus 4. Il va bien, Artag. Contre, comme je dis, hein, c'est sur ma pause déj, donc je stream ce match. Et puis. Et puis je coupe. Le rock. Oh, le rock, Juggernaut. Ah, il l'a peut-être mis. J'ai pas vu les premiers matchs de Vitouk. Il l'a peut-être mis directement vu que. Vu qu'ils avaient le droit à des SPP bonus au début, comme Kendran qui a mis deux gardes. Il a l'air d'y avoir que deux compétences côté Skaven. Donc je pense qu'effectivement c'est les deux compétences bonus, lutte et Juggernaut. Ce qui se tient largement. Ça prend un dé sans bloc, ouh, c'était un peu dangereux ça. Bon, après c'est quasiment la fin de tour, donc why not? Ça prend le 1 dé et dans le zombie ne mourra pas une seconde fois.
Le match vient de commencer, Luc, donc déjà salut à toi. Pour l'instant, aucune sortie. Je dis c'est ça juste parce que c'était un zombie, donc techniquement un zombie c'est déjà mort, puis de nouveau vivant. Ah, la petite sonnette, c'est pas suffisant, faut taper plus fort. Y a beaucoup de racolés quand même là. Une relance de claqué. Et ça n'a pas payé. Enfin, ça a évité le turnover, quoi. Après, est-ce qu'il aurait pu prendre le turnover à ce stade? Non, il pouvait pas parce que il y avait une possibilité d'attaque sur le porteur, même compliqué. Mais vu qu'il y a un coin de cache qui est collé. Il aurait pu dégager le zombie puis la momie avec le rat ogre puis aller chercher le porteur. Donc il était un peu obligé de relancer. Enfin, il y avait danger quoi. C'était pas non plus donné donné mais racoler c'est une défense grave peut se ramasser en prison. Ah. Ok, je viens de comprendre ton jeu de mots, Luc. Ok. Ah, désolé, hein, je regarde l'œil d'un match. C'est entre ma pause du boulot, je mange en même temps. J'ai quand même des notifs du boulot qui pop de temps en temps. Regarde l'œil d'un match. Oh, mais je comprends rien à ce que vous dites là. Je regarde le match d'un œil. J'ai dit quoi? Je regarde l'œil d'un match. Ah oui, d'accord. Où ça vient attaquer le porteur? Avec le lutte, certainement. Ah, il a la distance là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, là. Avec pas mal de G quand même. Attends, il peut passer là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, 3 plus 2 plus. Attaque au porteur. 1 dé. Avec lutte, ça se prend. Ça se prend et je sais pas si ça se relance par contre. C'est hésitant. Moi je le relancerai, je pense que j'irai jusqu'au bout du truc. Et voilà, ça tombe. Ouais, j'aurais pas poursuivi non plus. Alors par contre, comment il va pouvoir l'exploiter? La mort, bouh. C'est vrai qu'il y a une sonnette sur la goule. Il y a la deuxième goule qui est entourée. Est-ce qu'il en a une troisième dans le coin? Non. Ouh, oui. Ça peut être problématique. Le rat ogre qui rat ogre pas beaucoup. Je coupe le micro genre 2 minutes, histoire de pouvoir manger un peu quand même. Et pas vous faire subir trop de déglutition. Ah, ça fait que des sonnettes, hein. Faut taper plus fort, les gars, hein. D'un côté comme de l'autre. Ah, coureur d'égout.
Ah, ça c'est. Ça va aider. Que le coureur dégoût ici, près proche de la balle. Pas trop envie de ça. Aïe aïe aïe, j'imagine que Kendra ne voulait faire tomber le Raoult pour le piétiner derrière. Avec un. Il y avait les zombies à côté là. Ça aurait pu être très intéressant. On va voir ce que Vitouk va faire. C'est un peu handicapant que le Raok soit occupé avec un seul zombie, mais bon, il pourrait éventuellement le replacer avec un Blitz bien placé, s'il veut bien bouger, bien sûr. Ouais, le petit ramassage de la goule qui a pu être rapatrié. Mais bon, il y a toujours le lutteur. Bon, après, un peu difficile de savoir comment ramener un support pour attaquer le porteur. Support et anti-support. Hello, Alf. Bon, je recoupe le micro histoire de manger un peu. Ah, vraiment désolé pour ça, j'ai presque fini. J'allais le dire, ça s'est bien vu là, de venir coller la queue préhensile. Après, je pense que Kendra a les moyens quand même de deal sur Aogre pour le moment. Voilà, là, ça va déjà être un petit peu plus compliqué. Ah, ça vient mettre la pression, hein. Ça arrive quand on commente à midi du matin. Ou le 2 des contres qui ne passe pas. Aïe, 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 non, c'est bon. Ah oui, c'est vrai que la châtaigne ne s'applique pas quand c'est pas notre tour, sinon l'armure passait. Ouh, double pot sur le gutter lutteur, ça peut être déterminant ça, de le sortir ce lutteur. Aïe 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 aïe, c'est la sonnette, ça va, c'est toujours sur le terrain. Après, c'est pas mal quand même ce qu'a fait Vitouk. Alors certes, il a donné en pâture ses gutters, mais ça empêche Kendran de venir dégager le Raogre facilement. Voilà. Ça tient. Il voulait libérer sa momie pour aller blitzer le Raogre, je suppose.
Ah ouais, il n'y a que des sonnets de pure. Oh là 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 là! Notre lance qui saute après un double pot sur le gutter, fallait bien que ça saute quelque part. Ça y est, il a libéré le la momie. 1, 2, 3, GFI. Il aurait pas dû poursuivre parce qu'il se bloque le chemin. Bon, ça va, le GFI passe. On enlève la queue préhensile du porteur. Ça y est, c'est libéré. Ouhouhou. Du coup, la goule est passée de l'autre côté. Le crâne, oui, mais ça, on peut le prendre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, GFI, GFI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, GFI. Bon, c'est pas évident, mais... Oh, attends. Est-ce qu'il n'y aurait pas une attaque au... Il est libre, là, le rat ogre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, GFI, GFI. Aïe, 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 aïe. Non, il a un chouïa trop loin, mais... Bon, y a quand même une attaque au Skaven. Salut Lady. Ah, il aurait peut-être pu... Ah, je sais pas, il était peut-être trop loin. Ouais, il était trop loin. Ok, ça blitz. Ça serait pas trop le choix. Et ça passe pas. Oh, je pense que là, on aurait pu relancer, là, je pense. À deux relances, à 3-4 tours de la fin. Une attaque au porteur. Bon, il y a peut-être esquive en face, mais... Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Après, la goule est bien coincée, mais... Alors, il aurait peut-être fallu relever les scaven avant. Ah, celui-là, par exemple, il aurait rien fait du tout, je pense. Il fallait le relever. L'autre de derrière... éventuellement faire une esquive, donc ça c'est compréhensible de pas le relever. Et le blitzer, éventuellement une esquive fin de tour aussi. Par contre, ouais, le scaven qui vient de relever là, fallait le relever dès le début. Il aurait rien fait de particulier. Voilà, faut tenter de ramener le raog, hein. Tenter de le bouger à 4+, il n'y a personne autour. Ça coûte rien. Ah, ok. Ah, moi j'aurais évité de taper un mec. Ouais. Mais bon. Ah, salut Kendran. Bonne chance pour ton match. Je suis malade, je joue mal, j'ai mon excuse. Bon, pour l'instant, j'ai rien vu de. D'horrible, hein. Après, bon. J'ai un petit niveau aussi, hein. Je m'appelle pas Odell. Hein. T'as une mine de mort-vivant. Ah, il aurait pu libérer deux zombies en tapant avec la momie. Ramener deux zombies en renfort là, ça aurait été pas mal. Après, il a le blitz 2D sur le gutter et puis l'esquive au porteur directement. Baston! Baston! Il aurait pu tenter un truc aussi, genre mettre le zombie à gauche du scaven qui trois quarts qui colle le porteur et tenter l'esquive au blitzer.
Ah bah j'avais pas vu cette goule. Hop. C'est pas plus mal. J'ai pas vu, il repousse. Il repousse, ok. Ouh, c'est dangereux là. Ah, il va pouvoir dégager son Blitzer Scaven de la momie, par contre, c'est pas mal. Il a pas oublié son lutteur par hasard, tout à gauche, où il était sonné. Comme je dis, hein, je regarde l'œil que d'un match, donc. Ça va rester cette expression, je pense. Rogue, Dodge, Ghoul dans la foule, let's go! Ouais, tu sais que c'est pas si déconnant! Un petit 4 plus. Ah non, non, ça marche pas. Il est entouré de deux zombies. Non, non, c'est. J'avais pas vu le zombie derrière. Devant, pardon. Non, c'est un peu trop dur du coup. Par contre, ce 1D là et blitzé au gutter, pas impossible. Ah, ça marche aussi comme ça. Oh, 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 oh. Quatre plus, ça dégage. non, ça relance. Oh, ouais. Aïe, 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 aïe. Je sais pas si je l'aurais relancé celui-là, par contre. Avec bloc, oui, sans bloc. Je sais pas. Je me demande si j'aurais pas tenté le 4+, Blitz. Ah oui, mais non, parce que lui était pas marqué. Un dé là. V là. Il y avait moyen de le surf, je pense. Hein. De marquer. Maintenant, les portes sont ouvertes. Ouais. Ouais. Je vous laisse 30 secondes. Je vais ranger un peu mon fatras là du repas. Je reviens. Ok, je suis de retour avec un petit dessert. Un petit yaourt à la vanille, dont je tairai la marque. Alors, que s'est-il passé? Pas grand-chose, il s'avance. Ok, d'accord, mais comment il protège le porteur là? Bon, il va taper le gutter. S'il fait pas tomber le gutter, ben voilà. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, un GFI.
Oh là 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 là. Attends, qui c'est qui peut ramener? Vitouk aurait pas oublié un scaven derrière, là? Ou devant? Tout dépend du point de vue. Alors par contre, pour aller chercher le 1D, je sais pas comment il fait, mais déjà il y a une possibilité de décompte sur le porteur avec lutte, c'est pas déconnant. Hein. Il n'y a plus de relance, il ramasse pas à 3+ là. Bon, il faut quand même faire l'esquive de plus, le GFI de plus. GFI. Ouais, non, le Raogre est un peu trop loin, même l'esquive 4+, ça vaut pas le coup. Est-ce qu'il peut... Ouais, non, il y a un GFIFR pour avoir un dé, 3+, 2+, puis 2+, 1D. Enfin, 2+, 2+, 1D. Non, c'est chaud. Je pense que le 2D contre est valable, là. Qu'est-ce que lui peut faire? Grand-chose. Tu viens de coller là et là. C'est pas évident quand même, hein. C'est pas évident, mais il y a une possibilité. Les équipes de Bash réussissent toujours leur pick-up 3+ au tour 8. Bah écoute, hier, bon, c'était pas un pick-up, c'était une esquive 3+. C'était le seul truc qui pouvait me sauver, et l'Okragon l'a échoué, là. Bon, c'était pas fini, parce il y avait encore 3 tours derrière, mais bah, vu que... Ça m'a sauvé le match, quoi. Et je pouvais même pas blesser le porteur, je l'avais juste triple collé pour qu'il soit obligé de faire l'esquive. Donc bon, 2+ de décontre, moi je trouve pas ça déconnant pour tenter de... Ok, Ok, donc là il y a le 1D, c'est bien. C'était qu'à 3+, 2+, c'est vrai que c'était pas déconnant. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, la relance, c'est bon, ça tombe. La balle qui tombe. Oh, attends, c'est quoi? C'est un 3+? Ah, je l'aurais relancé là, moi. Là, je l'aurais relancé. Que la balle aurait été plus safe dans les mains du gutter qu'à esquive quand même. Hein. Si tu veux tout relancer depuis le début du match. Ben oui! Ah mais depuis que j'ai goûté au match où t'as 8 relances, à 4500 de TV, moi je relance tout. Non, non, mais sincèrement, là c'est un 3+ qui peut te mettre bien quoi. Enfin qui peut te mettre bien. Qui peut complexifier la tâche. Qui peut te complexifier la tâche pour les morts vivants. Ça veut rien dire ma phrase, mais vous avez compris. Reroll, Steam Achievement Unlocked. Ouais, bah, ce succès Steam, ouais, je l'ai fait en. Oui, 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 oui. C'est quoi qui est sorti? Ah, ça va, c'est 4 quarts, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il dit, like du match? oui, du coup, le succès Steam, je l'avais fait en farmant au tout début du jeu contre l'IA dans la campagne. Comme ma fille dormait pas encore. Je farmais j'avais une équipe naine qui farmait les matchs de campagne et au bout d'un moment j'avais claqué j'avais mis 8 relances à la team comme ça que je l'ai eu.
Mais du coup, ouais, avec les outils admin, bah, vu que tu peux te donner autant de fric que tu veux, machin, il y a be beaucoup d'achievements que tu fais assez facilement, du coup. Voilà. Bon, après, c'est des achievements Steam, hein, on s'en fiche un peu. Faire rebondir la balle. Ouais, ça aide moyen. Mais il y a encore des baffes à mettre sur le Skaven. Ça va. Ça libère. Allez, plus qu'à libérer la. Plus qu'à libérer la goule. Mais non, pourquoi faire l'esquive alors que t'as le bloc? Bon, ok, ça passe. Et ça marque. Eh ben, c'est pas passé loin. Alors, voyons voir le one turn de Vitouk. Il y a les gutters, il y a le Juggernaut. En termes de sortie, il y en a que deux de sortie. Donc normalement, il y a tout ce qu'il faut pour faire le one turn. Ouais, je t'avais dit. Ah oui, non mais c'est sûr, de toute façon. C'est pas dur, mais ça aurait pu louper aussi. Alors, paf. Paf, paf. Avec les gardes, c'est le premier blitz qui est peut-être un peu dur. Surtout que ça, par contre, ça aide un peu pour le push-push. Oh, quoique non, là c'est bon. Tac. 1, 2. Tu viens boucher là, tu viens boucher là. Tu tapes là une fois. Voilà, il faut quelqu'un ici. Faudra quelqu'un, il va falloir quelqu'un ici. Tu viens blitzer une, deux, tu pousses là, tu le mets là. Faut quelqu'un ici, faut quelqu'un ici. Est-ce que tu fais un, deux, tap, tap, tap. Donc là, tu as une case et tu tapes, tap, tap, tap. Donc il faut quelqu'un ici et quelqu'un ici. Après, il y a d'autres solutions. Tu peux tenter de ramener ici, de pousser deux fois, te servir des deux mecs là pour faire le pousse-pousse. Il y a plusieurs possibilités, mais je pense que celui-là, c'est le plus simple parce que t'as 2D, 2D tout le temps en fait. Kick est pas mal. Oh, c'est sûr, il n'y a aucun one turn facile. Déjà,
Voilà. Aïe aïe aïe. Non, je pense pas que ça. Ah si, ça va poser problème. Ah non, c'est bon, ça va pas poser problème. L'interface avec les cercles rouges m'a induit en erreur. Allez, faut venir là. Faut venir là. Faut venir là. Faut le faire en décomposé. Quand il tape, ça bug. Faut venir là. Puis ensuite taper là. Faut d'abord faire le déplacement, puis ensuite taper. En fait, dès qu'il y a des trucs comme ça, qui est un peu bizarre qui se passe et qu'on n'arrive pas à faire les actions, faut vraiment les faire en décomposé. Voilà. Allez, il y a la première flèche. On met là. Ou là, n'importe, ça change rien. La deuxième flèche. Là, on est bon. Ok. Le gros souci, c'est que du coup, du fait qu'il n'y ait personne là, il va avoir besoin que ce trou-là soit. Là, faut relancer. Push, c'est bon. Parce que du coup, là, il manque quelqu'un ici. Donc, il faut prendre. Il faut ramener lui et taper là pour boucher. Enfin, ou plutôt ramener lui, taper là pour boucher. Parce qu'à cause de cette case, c'est foutu sinon. C'est pour ça qu'en fait, il fallait un mec ici tout de suite pour taper en biais, pour avoir tout de suite le push-push. Donc on ramène là, on ramène là. On tape là, on bouche là. Faut pousser par contre. Il prend le 1D. Ok. Bon bah du coup il va boucher avec son scaven. Ça marche aussi. Allez, le push-push, bah tu le prends. Voilà. Si on aurait préféré faire pousser et tomber, mais c'est déjà ça. Allez, de plus, de plus, de plus. Et non! Oh là 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 là! Le 1 sur la ligne d'un but, classique, classique. Classique, classique. Alors là, oula, il va falloir qu'il joue vite la deuxième mi-temps. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est dommage. Quel dommage. Au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de cheat code chez Nakon. Ah, il s'est bien démerdé sur le push-push. Ah, sur le one turn. Aucun blessé. Ah non, il y en a un blessé. Hein. Regarde, il est là. On va se remettre d'ailleurs côté Skaven. Il est là, il est là. Bon, c'est loin d'être fini. Hein. L'honneur, ça compte pas. Ah oui, c'est un honneur, je n'ai pas fait attention. Oh oui, on s'en fout. Mais bon. Il y a quand même eu du sang. Crash, j'imagine que Vitouk doit manger son clavier là. Ah! Le petit de plus. Enfin bon, c'est comme ça, faut avancer. Des gars qui meurent qui peuvent pas nous affronter. Parce que t'es dans la même division, c'est ça, Luc? Bronze 3, c'est ça? Ok.
Ah, c'est toujours rageant de tomber sur la ligne d'en but quand même. Le fameux GFI dans la ligne d'en but. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu, hein, en vrai. Ah, c'est surtout que c'est les plus marquants, en fait. Bon, dans l'idéal, faudrait qu'ils aient fini le match dans 8 minutes. Bon, c'est pas grave, je vais décaler un peu ma pause et je fais un peu d'heures sup ce soir, c'est pas grave. Je suis pas à une demi-heure près. Salut Mandals! Ah, le Kragan, il n'en fait jamais. N'est pas beau jeu. Alors le Kragan, ouais, c'est l'esquive qu'il avait foiré. C'est l'esquive qu'il a foiré. Pour aller dans la ligne d'en but. Kenran a marqué, oui, sur un 3 plus 3 plus. Enfin, 3 plus relançable et 3 plus sans relance. Et Vitouk qui a failli mettre le one turn, il est juste tombé dans la ligne d'en but à deux plus. Coaching brillant. Égalité, donc pas de relance de données. Ah, c'est égalité qui gagne une relance d'équipe. C'est pas mal ça, égalité gagne une relance d'équipe. Pareil qu'il a encore essayé d'aller trop vite vers la zone de TC quand il n'en était plus très loin. Oui et non, parce qu'en fait, Vitouk lui a mis vraiment pas mal de pression, donc il a pas eu le choix d'avancer. Ah! Ah, faut le prendre là, faut le prendre, ouais, voilà, c'est bien. Pas le relancer celui-là. C'est chiant, mais Osef. D'ailleurs, même si la balle est encore au sol, elle est quand même protégée. Après, rien n'empêche de faire bump la balle en poussant un scaven dessus. Et avec un bon jeu de rebond, ça peut être la catastrophe. Mais bon, ça reste limité. C'était quasiment la dernière action du tour. Il manquait juste le ramassage. Je pense que la goule avec Liv va bondir dans la cage. Ah, ça vient pas chercher le bump de la balle. On vient juste mettre des torgnoles et sonner. Ah bah, il est long, hein, ça sonne beaucoup, mais. On est peut-être le premier mercredi du mois. Ah bah non, c'était hier d'ailleurs, le premier mercredi du mois. Il a un peu sué sur le tour 7 de Vitouk à cause de ça. Oui, mais en même temps, pour le coup, il a pas eu trop le choix d'avancer. À un moment donné, déjà faut avancer, et en plus Vitouk lui a quand même mis... Ouh là 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 là. Attends, il a relancé quoi là? Il a fait double crâne? Pourquoi il a relancé ça?
Pourquoi il a relancé le push? Ouais, c'est ça, effectivement. Kenra n'a pas pu refermer correctement la cage, trop de pression, mais il a laissé qu'un 2D contre. Après, Vitouk a quand même réussi à ramener un support avec un 3 plus 2 plus d'un gutter, donc il a quand même eu le 1D qui a fait tomber la balle. Voilà, et puis après, avec un jeu de baffe et de push-push, et un autre bon rebond, Kendra a réussi à marquer avec un 3 plus 3 plus. J'ai pas compris la relance non plus. Est-ce qu'il a voulu faire une relance offensive? Est-ce que c'était un misclick? Est-ce qu'il a cru qu'il avait fait double crâne ou parce qu'il a vu un crâne? Est-ce qu'il a éternué à ce moment-là et cliqué sur la relance parce qu'il est malade? Kendra nous le dira. Salut Makou. Je finirai toujours pas la fin de ton pseudo. Ça me perturbe toujours. La vie rouge, j'ai voulu faire mal. Ah, ouais, possible. Aïe 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 aïe, mais c'est bon, il y a quelqu'un qu'on peut taper à côté. Par contre, du coup. Non, il fait que le relever. Ok, il fait que le relever. Non, 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 je le dirai pas. Je le ferai jamais au cercle de couleur. Alors, sur les scavens, c'est peut-être pas important. Enfin, c'est peut-être pas utile. On repère les rôles quand même. Ah, quoique les blitzers, on les voit pas très bien. Mais moi, les morts-vivants, je peux pas jouer sans. Hein. Je confonds tout le temps les ghouls et les zombies. Hein. Après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Là, sur certaines équipes, je trouve ça pratique. Ouais, aïe, 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 sonner. Sonner, sonner, sonner. Ouais, cool, c'est chiant à distinguer comparé à BB2. Ouais. Ouais, mais en fait, il y a des rosters où je trouve les cercles vraiment utiles et d'autres où bah, où t'en as pas besoin. Genre sur les hommes lézards, les cercles, tu t'en fiches. Tu vois. Par contre, sur l'union elfique, même quand tu les joues. C'est vachement pratique, quoi. Parce que entre le blitzer qui est juste un peu plus écarté, gâte ses jambes un peu plus écartées, voilà, pour faire genre, yeah, t'as vu comment je suis agile, voilà, et le lanceur et les trois quarts. Lâchez les sonnettes, ça prend des bains. Les big guys avaient pas besoin de rond. Oui, c'est pas faux. Bah après, ça serait bien de pouvoir custom le truc, tu sais. Dire, ah oui, tiens, je veux afficher ces cercles-là, ces machins. Ils avaient dit, waouh, ça y est, du sang! C'est quoi qui est parti là? C'est un blitzer ou c'est un scaven classique? C'est-à-dire un classique. Un classique. Pas besoin de claquer là. Ah, un RPM, ouais. C'est pas grave, c'est des trois quarts, ils sont là pour ça. Il était temps. Wow, pour les compétences, je trouve que ça. Enfin, quand tu affiches les compétences innées, tu vois plus rien. Moi, j'affiche juste les compétences supplémentaires. Par contre, il y a un truc qui m'énerve énormément. C'est que dans les compétences supplémentaires. Ils mettent pas les solitaires. Enfin, que en gros, que qu'un qu'un
qu'un journalier ait sa compétence solitaire, enfin son trait solitaire en tant que inné. Alors oui, certes, c'est logique puisque c'est inné pour lui, mais en termes d'interface, purée, ça serait tellement bien que ça soit considéré comme une compétence supplémentaire pour que en termes d'interface, quand tu affiches que les compétences supplémentaires, tu les vois, quoi. Parce que sinon, c'est chiant quand pour les voir, tu es obligé d'afficher toutes les compétences ou de vérifier chacun de tes persos et tout. Ouais, c'est une question d'habitude, ouais, j'ai du mal à lire l'écran. Après, il y a le terrain aussi qui le terrain et l'ambiance du terrain qui fait que ça peut être plus ou moins difficile de le voir. Tu vois, genre ce terrain-là, moi je suis pas très fan. Je le trouve pas très lisible. J'aime bien. Il y a trois terrains que j'aime bien dans le jeu. C'est l'humain, le classique, voilà. L'union elfique. Donc de la pelouse et de la pelouse. Voilà. Et celui des. De la noblesse impériale, voilà, qui est en astrogranite avec toutes les carrés bien découpés. C'est surtout pour les elfes que j'ai besoin des cercles, les autres ça va. Oui, je suis d'accord. Alors, autant les elfes noirs, ça va. Je trouve que ça va. L'union elfique pour distinguer qui est qui, à moins que tu custo avec un peu, enfin, en changeant les masques ou les trucs comme ça, et encore, moi je peux pas jouer sans cercle avec eux. Je passe mon temps à rechercher où sont les mecs sinon. Et avec un timer de 2 minutes, bon, il y a la time bank, mais. Ouh! Ah mais attends, mais il a plus de relance le Kendran là. Aïe aïe aïe, et sonné en plus là. Mamie quoi. Il joue sans Big Guy, le Skaven. Il est là le Big Guy, il est à terre. Ouh aïe 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 aïe. Run, il a la relance facile. Oui, c'est peut-être un de ses défauts. Vu qu'il a un mental, on va dire moyen, je pense qu'il a tendance à relancer facilement. Ok, ça s'infiltre. Le machin du Raogre. Oh. Ok. Alors là, maintenant, l'idéal, ça serait d'essayer de. Ah ben non, il a plus personne pour y aller. Ah, il aurait peut-être dû tenter l'esquive. Après avoir fait ça, il aurait peut-être dû tenter l'esquive là pour venir bloquer. Allez, au moins le. Au moins le revenant. Là c'est pareil, au lieu du blitz, du coup il aurait peut-être dû tenter de relever tout ça. Rogue qui se relève. À moins qu'il tente l'esquive là. Il tente l'esquive là, ok. Est-ce qu'il y a un intérêt à le relancer? Je sais pas. Je pense pas qu'il y ait d'intérêt à le relancer là. À part éventuellement ne pas se le faire tuer. Le problème, c'est que du coup, il va se faire. Oh là là là! Oh là là là! Là là là! J'entends déjà Kendran râler là. J'entends déjà le clavier de Kendran faire échappe et. Et cliquer sur. Mince. Sur forfait. Non, j'exagère. J'exagère, bien sûr.
Promis, je suis pas en tilt. D'accord. Après, ouais, c'est malchanceux. Par contre, effectivement, t'aurais peut-être dû. Attends, t'avais un GFI. Ouais, t'avais un GFI, donc je comprends pourquoi tu l'as fait à la goule. Par contre, au moins ramener le spectre avant de faire l'action. Skaven qui aurait dû jouer la win. Il avait peut-être un GFI à faire. Attends, il était où? Là? Oh non, il avait pas de GFI. La petite sonnette. Salut Kerensky. Barzilla, il tape au foie. C'est la première fois que tu parles dans le chat. Il me semblait que tu avais déjà mis quelques mots dans le chat. Nouveau seul, Satan solitaire. Dernière action, c'est pas grave. Par contre, ça donne un bloc gratuit sur un gutter. Jamais rien de gratuit sur les gutters. Bah, un 2D avec bloc sur un gutter. Ne tombe pas, malheureux. Ça reste quand même un bloc gratuit. Ah, aïe 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 aïe. Ah, est-ce qu'il a un peu de relance? Est-ce qu'il tenterait pas la transmission à ce coureur d'égout-là pour aller le faire pex? Parce que c'est important aussi d'aller faire pex les bonhommes. Alors, d'abord en fixant tout ça, bien sûr, mais. Mais bon. Un 2 plus relançable pour faire pex un gutter. Moi je le prends. Une chance sur 36. C'est un petit peu du grid, mais bon. Je veux dire, il reste 3 tours, t'as 3 relances. Tu bloques les bonhommes qui peuvent venir t'embêter au cas où. Un tout petit peu de grid avec Kerensky, parce qu'il est quand même à 1-0, si ça foire quand même, machin, imagine, il arrive pas à ramasser derrière, enfin, voilà. Mais bon, 2 plus relançable, une chance sur 36 de se foirer. Pour faire pex le gutter, moi je le prends. Sur ce genre de compétition où t'as besoin de faire pex tes joueurs, je l'aurais pris. Après, je comprends aussi que t'aies pas envie de le tenter, voilà. Là, pour tenter les wins, faut pas. Bah, ça te coûte rien de faire la transmission et d'aller marquer, tu peux quand même tenter la win. Je sais pas, moi je pense que je l'aurais tenté.
Ouais, non, mais c'est pour ça que je dis que c'est un tout petit peu du grid. Mais bon. Ça tente le tout pour le tout. Jamais, ça marque tellement pas souvent que quand je peux, je le prends. Ouais. Non, mais après, là, c'est clair, c'est l'option sûre hein, d'aller marquer. Voilà, hein, attention, je dis pas, oh là là, mon Dieu, c'est une erreur, il aurait dû faire ça, gna gna gna. Non, au contraire, voilà, un TD demi, il est plus à mettre, mais. Je sais pas, je pense que une chance sur 36, je l'aurais tenté. Après, j'aurais certainement perdu le match. Bon, je sais pas si un peu de ball control, encore un tour de plus, ça assurerait pas le nœud. Ah, il veut peut-être jouer la gagne aussi. Mais c'est vrai que du coup, ça laisse 3 tours, 3 tours à Kendran, mais Kendran n'a plus de relance. Un petit KO. C'est pas grave, c'est le solitaire. Alors oui, par contre là tu viens mettre ton petit écran là et tu blitz tu relèves lui et tu blitz au RAE là, plouf. Voilà. Ah, tu vois, tu relèves lui. Tu mets ton petit écran. Voilà. Ah, il veut blitzer comme ça. Ok. Moi, j'aurais blitzé l'autre ghoul pour avoir les deux ghouls sur le plus préhensile. Alors oui, par contre, effectivement, il est tour 15, donc s'il veut tenter la win, il faut mettre un gutter en position de marquer, oui. Mieux que le rock soit avant la balle, devant la balle. Oui, je comprends. Mais en fait, tu peux quand même coller la queue préhensile à deux ghouls. Bon, après, le problème, c'est que du coup, il peut le gérer. Ouais, non, c'était le bon play. Vous avez raison. Du coup, tu prends le push et pas le pot. En même temps, le pot fait que les deux blitzers sont out. Ok, donc il tente pas la win. Il ne tente pas la win. Alors lui, par contre, faut tenter de le ramener. Pourquoi l'avoir mis là? Effectivement, ouais. C'est vrai que du coup, il aurait dû tenter le ball control. Après, il y avait un peu de pression de la part de Kendran. Mais bon, il pouvait se barrer de l'autre côté. Je sais pas, ouais, ouais. Ouais, j'aurais mis le cutter en position de marquer aussi. Et j'aurais tenté l'esquive là parce que lui sert à rien. Avec le zombie et le zombie va pas faire grand chose. J'aurais ramené lui dans le coin.
Parce que là, du coup, il y a des gros risques de défaite. Oula, le YOLO est lancé. Alors, en même temps, il a plus grand-chose d'autre à faire. Hein. Il a plus grand-chose d'autre à faire. Ramener ce zombie là pour venir coincer un peu là. La blessure. Ça c'est bonus. Que je fasse gaffe. Ok. Ça va être le 1 dé sur la balle, hein. 2D? Je vois pas le 2D là. Trucs, 5, 6, 7. Ah, avec un GFI. Ouais, mais bon, ce gutter là est un peu loin quand même, hein. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ah, y a un peu de dés, hein. Bah, tu fais l'esquive là. Tu regardes si elle tique. Si elle tique pas, tu fais l'esquive là. Et ensuite, tu viens là. Et après, tu blitz comme ça. Ok, ça c'est bon. Ah, mais pourquoi? Bon, bah, ça va être le 1D. Passe pas, faut relancer, hein. Faut relancer. Ah. Aïe aïe aïe. Bon bah 3 plus. Enfin, même pas. Il y a moyen de dégager. Et là, il donne la win, ouais. 3 plus. Victoire de Kendran. Dommage. Dommage, bon bah fallait bol contrôle alors. Fallait stoner. Après, si. Ouais, c'est ça, c'est que si tu marques comme ça, il faut tenter la win. Donc il aurait dû mettre un gutter en position de marquer. Le truc, c'est que derrière, il a quand même moins de défense. Et là, oui, comme dit Pilaf, il aurait fallu le 2D porteur. Surtout qu'il a 3 relances, donc bon. Mais 2D sans lutte alors. Dommage. Dommage pour Vitouk. Allez, GG Kendran, du coup. Bien joué. Moi, il n'avait pas le 2D avec le Gutter Runner qui commençait au sol. Si, si, il l'avait avec soit deux esquives, soit oui, un GFI, je crois. Merci du follow, Mike Alexiel. Salut, salut. J'étais très gourmand sur ma relance contre le Raga. Ah oui, donc tu l'as relancé en toute connaissance de cause.
Moi, je l'aurais jamais relancé. Jamais. Vu que t'avais pas bloc, tu relances pas. Si t'as bloc, éventuellement une relance agressive, surtout si tu peux piétiner derrière, éventuellement. Mais là, sans bloc, jamais tu relances. J'ai dit, le blitz du Rao, c'était contre le spec pour rester sur le porteur. Oui. Aussi, ouais. Il est mal né son Rao, pas une blessure. Bon, alors par contre, les gens, désolé, moi je vous laisse là parce que j'ai déjà bien cramé ma pause déj. Je vous dis bonne journée et puis bah, à une prochaine. Salut, salut. Bonne fin de journée à vous tous.